Salutations. Je vais à nouveau m'attaquer à votre enfance et aujourd'hui parler du roi lion. Parce qu'en effet, on voit au début, lorsqu'il y a le présente Simba à la foule, le jeune lion, t'as tous les animaux de la savane qui viennent le voir comme parce que c'est leur roi, c'est leur souverain. Et on pourrait imaginer que voilà que c'est que Mufasa est un souverain juste, que Simba est un souverain juste aimé par son peuple. Enfin, c'est l'image qu'on a en tant que gamin et qui vient de voir le futur roi avec plaisir. Mais si on y réfléchit, les lions, ils bouffent quoi? De la viande! Ils bouffent tous ces animaux qui viennent les voir. Zèbres, girafes, buffles, gnous. C'est leur nourriture! Ils les bouffent! Donc en fait, c'est pas des souverains justes, non, c'est des putains de tyrans! Et ils viennent pas ici par plaisir, ces animaux, mais parce que sûrement, ils ont pas le choix! Parce que sinon, ils viendraient pas avec plaisir pour voir, oh tiens, un nouveau prédateur! Un nouveau bébé qui, dans quelques années, va nous bouffer tous! Ouais, c'est cool! Non, non, ils ont pas le choix! C'est comme en Corée du Nord! Ils sont amenés de la force, sont obligés d'être contents, mais ils vont se faire bouffer! Tout simplement! Mufasa et Simba sont des putains de tyrans! C'est tout! C'est tout! Je suis désolé! Donc voilà! Voilà, c'est terminé pour le Roi Lion! Au revoir tout le monde!